fois, je vais décacher le mur, parce qu'il y a quand même différent. Vous voyez, comme ça. C'est pour le sortir. Par exemple, j'avais beaucoup plus de petites batteries parce que ça suffisait pour le nombre de tâches qu'on voulait prendre. C'est tout. Mais bon, c'est peu de choses, mais ce type de scanner, il a l'éclairage nécessaire. Ce que je disais, tu peux pas le faire, il a la chambre nécessaire. Il est blindé autour et il n'a pas de. Il y a une tresse qui le protège du contact. Donc ça va à un mètre. Mais... Derrière, c'est tout lisse au milieu, non? C'est ça? Bon, là, on a décidé d'arrêter. Ça va? Ouais, j'appuie, puis il augmente. La mémoire maximale ici c'est 84 jours préinscrisible. Donc quand il a atteint les 84, il recommence à effacer le début. Et ça c'est lié à le rythme de mesure. Voilà. L'ordre des autres, hein, le capteur à 50 cm, à 1 mètre, à 2 mètres, 4 mètres 50 et 5 mètres. Bon, on monte ici. Là, direct, ils sont mieux ordonnés. C'est la même chose quand je les ai mis en place, ben, j'avais saturé avec la boue, donc ils étaient saturés. Puis ils ont... D'accord. Après derrière, ouais, oui, j'imagine. Bien sûr. Quand tu as la montée. Ah, c'est quand tu les as mis en route. Il va y avoir d'autres. Les comportements doivent être très différents hors du dispositif. Quand tu changes de délai, aussi bien en numérique. La classique est normale avec. Une colline, en fait. Tu n'as pas utilisé de travers à cylindre ou de coste qui sont. Pareil, c'est. Ah, nous, ils disent pour quand tu veux vraiment. Oui. Mais là, par exemple, mes lavages, ils sont sur l'ensemble du volume de sol. Quand on a manipulé ça, je sais que. Parfois. Mais je sais qu'il y a des cas parce que c'est le but.
pas appuyé assez dessus. Plus tourner parce que...